Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ma nouvelle routine capillaire. En effet, vous avez été nombreuses à remarquer que mes boucles avaient changé et pour cause, effectivement, j'ai changé de routine capillaire. Donc aujourd'hui je vais rentrer dans le détail et vous expliquer un petit peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Mais pendant 20 ans, je me suis lissé les cheveux par facilité et par fainéantise parce que tout simplement je ne savais pas entretenir mes cheveux bouclés. Du coup, j'avais des cheveux franchement pas jolis, très mousseux, avec des frisottis, des boucles qui n'étaient pas définies, pas dessinées. Bref, franchement, ça ressemblait à pas grand-chose. Et quand on a 15 ans et qu'on ressemble à rien, eh bien, on trouve une solution simple et facile. Et pour moi, c'était lisser mes cheveux. Voilà, c'était beaucoup plus simple d'entretien. Donc, j'ai fait ça pendant 20 ans jusqu'à l'année dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais si vous me suivez, vous savez aussi que je remets un petit peu toute ma vie en question. Et puis là, bah, c'était mes cheveux. Au début, franchement, c'était compliqué parce que les boucles étaient dégueulasses. Appelons un chat un chat. Les boucles n'étaient pas formées, pas dessinées. Mes cheveux étaient secs, rêches, cassants. Forcément, c'est compliqué d'aimer ses cheveux quand ils sont dans cet état-là. Au fur et à mesure du temps, bah, j'ai appris à m'occuper de mes cheveux et j'ai appris à les aimer. Il y a un an, j'étais en 2B2C. Voilà, donc ce qui correspond à un type de boucle. Je vous ferai une vidéo concernant le type de boucle existant puisque certaines d'entre vous m'avaient posé la question. Donc je pense que ça fait l'objet d'une vidéo bien à part. Comment je suis passée du type 2B au type 3A? Je réponds à cette question à travers les images, donc c'est parti. Ce que je recherche personnellement, c'est d'avoir les cheveux souples, la boucle bien dessinée, bien rebondie, bien définie, avoir les cheveux doux, les cheveux surtout pas poisseux. Je souhaite également avoir un certain volume et surtout avoir une routine assez minimaliste. Hein, faut pas que ce soit trop compliqué, sinon ça va vite me saouler. Je me lave les cheveux une fois par semaine. Je fais également un soin masque une fois par semaine. L'ingrédient qui revient quasiment systématiquement, c'est la poudre de guimauve. Pour moi, c'est un indispensable pour récupérer des beaux cheveux bien dessinés, bien rebondis, etc. Qui dit un soin à base d'huile en général par semaine, dit un lavage par semaine et donc une stylisation par semaine. Je m'explique. Quand j'appelle stylisation, c'est vraiment la mise en place des cheveux, de la coupe. Par exemple, si vous voulez avoir la raie sur le côté, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Si vous préférez d'un autre côté ou une raie au milieu ou quoi, c'est à ce moment-là qu'il faut placer vos cheveux en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, j'aime bien avoir en général une raie sur le côté, soit du côté gauche, soit du côté droit. Ça dépend de là où se trouvent mes boutons sur la tronche. Voilà. Les autres jours, en général, c'est soit du rafraîchissement ou soit de l'entretien, vous voyez, je vais pas me recoiffer. À chaque fois, lorsque je fais mon shampoing, il faut savoir que je me démêle les cheveux une fois par semaine sous la douche avec les cheveux trempés. Voilà. J'ai relevé une petite remarque de l'une d'entre vous qui m'avait dit de ne surtout pas me démêler les cheveux lorsqu'ils étaient encore mouillés. Allez essayer de vous démêler les cheveux lorsqu'ils sont bouclés, frisés, c'est pas possible. Selon moi, il faut impérativement se démêler les cheveux uniquement lorsqu'ils sont mouillés parce que c'est juste pas possible. Geste que je faisais pas avant et que je fais maintenant, c'est de me démêler les cheveux au doigt.
Deuxième geste que je ne faisais pas auparavant, c'est le geste du praying. Ça consiste tout simplement à mettre vos mains en position de prière. Et donc, vous allez appliquer le living de cette manière. Je trouve que ça vient mieux répartir le produit dans mes cheveux et surtout j'ai le sentiment, j'ai l'impression que la boucle se forme à cette étape-là. Application de mon living, je viens faire le scrunching. Ça consiste à venir scruncher, froisser vos boucles comme ça et pour le praying et le scrunching, il est impératif d'avoir les cheveux saturés d'eau qui gouttent encore. Il faut vraiment qu'il y ait énormément d'eau à l'intérieur. C'est ça qui va permettre de bien dessiner votre boucle. Suite à tous ces gestes dans la salle de bain, on va passer dans la chambre et là, on passe à la technique du plupping. Le plupping, ça consiste à mettre tous vos cheveux dans un t-shirt ou dans une serviette en microfibre et de laisser essorer les cheveux à l'intérieur. Ça aide énormément à prédessiner les boucles finalement. Suite au plupping, je passe à mon maquillage. En général, ça dure entre 20 minutes et une demi-heure. Ça dépend du temps que j'ai devant moi. Et ça pressèche mes cheveux. Suite à ça, on passe donc au séchage. Me permet effectivement d'avoir des cheveux parfaitement définis avec un volume correct, sympa. Mes cheveux sont souples, mes boucles sont rebondies. Donc, les effets négatifs de cette technique, c'est effectivement que j'ai perdu en longueur visuelle. Hein. Voilà, ce n'est que visuel puisque mes cheveux n'ont pas bougé finalement, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu un mal pour un bien. Deuxième point négatif, c'est vraiment la perte de temps au séchage. En plus, ça dépendra de la température que vous utilisez sur le sèche-cheveux. Forcément, si vous utilisez de l'air froid, eh bien le séchage sera d'autant plus long. Voilà, faut le savoir. Le résultat est immédiat. Dès le premier séchage, on voit le résultat. Et puis, les gens vont directement vous faire la remarque de « qu'est-ce que tu as fait dans tes cheveux pour qu'ils soient aussi bouclés ?» Donc, pour conclure quand même et pour préciser cette vidéo, je tiens à dire que pour obtenir ce résultat, finalement, c'est pas forcément les produits que vous allez utiliser qui vont vous donner ça, mais ça va être plutôt la technique et les gestes de comment vous traitez vos cheveux à la sortie de la douche. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, comment je suis passée de mon 2B à mon 3A. N'hésitez pas à piocher certains
de mes gestes, certaines de mes techniques pour voir celle qui vous convient au mieux, puisque peut-être que moi ça me convient mais pas forcément vous. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.